Bonsoir et donc bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mon top 5 des livres qui font peur lors de la fête d'Halloween. Et Halloween, c'est aujourd'hui. Alors, vous êtes des petits chanceux, vous savez, parce qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas une vidéo. Non, vous allez en avoir deux. La première consistera, et donc est déjà mise en ligne, il s'agit de mon premier tutoriel d'Halloween. Donc, soyez indulgents, il s'agissait de mon tout premier tutoriel. Et la seconde est celle-ci. Il s'agit donc de mon top 5 des livres qui vont vous faire frissonner pour Halloween. En cinquième position, nous trouverons World War Z, écrit par Max Brooks et publié en 2009. Ce livre, contrairement à la très mauvaise adaptation cinématographique, raconte l'histoire de scientifiques cherchant la cause à un mal qui régit dans ce monde, à savoir les zombies. Et ils vont partir à la recherche du patient zéro pour comprendre comment ce fléau s'est propagé. C'est avant tout une histoire de témoignage et non une histoire comme on peut avoir dans le film. En quatrième position, nous retrouverons un classique de la littérature fantastique puisqu'il s'agira de Dracula, publié en 1897. Nous suivrons l'aventure de plusieurs protagonistes, à savoir Jonathan Harker, sa fiancée Mina et Van Helsing, qui n'est autre qu'un célèbre chasseur de vampires mais qui là ne sera qu'un simple docteur, qui vont devoir faire face au grand comte Dracula. Et il s'agit pour moi d'un classique de la littérature puisque, comme vous le savez, les ombres des vampires, c'est ma passion. En troisième position, nous trouverons un livre qui a été publié cette année et il s'agira de Sunshine de Paige Mackenzie, ou publié l'année dernière, je ne sais plus. Donc, il racontera l'histoire de Sunshine qui suit sa mère dans l'état de Washington, me semble-t-il, où en gros, elle va habiter une maison qui sera hantée. Ce livre vous fera frissonner, frémir et peut-être même vous donnera des cauchemars. En seconde position, vient le maître à tous, le maître de l'horreur, Monsieur Stephen King, avec son roman Ça, qui a inculqué la phobie des clowns à plusieurs personnes et qui a été publié en 1988 et adapté en téléfilm en 1990. Nous allons suivre l'histoire de 6 personnes qui vont devoir lutter contre Ça à 2 époques différentes dans la petite ville de Derry. La première époque sera en 1958 où elle dort, chacun n'était qu'un enfant, et la seconde en 1985. Et ce roman est à la fois prenant et angoissant et vous donnera de sombres cauchemars. Et en première position, je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais si tu as été jeune et si tu as lu durant ta jeunesse, ce roman a dû te donner des sueurs froides comme il m'en a donné. Il s'agit bien entendu du Pantin Maléfique adapté dans la collection Chair de poule, écrit par Erland Stein en 1996. Et il s'agira de l'histoire d'un pantin qui prendra vie et se mettra à tuer. Tuer ! Tuer ! Beaucoup de personnes. Voilà, vous avez mon top 5. Moi, je vous souhaite un très bon Halloween. J'espère que ces lectures vous feront frissonner ou vous ont fait faire des terreurs nocturnes. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, ne vous gavez pas trop de bonbons et un bonbon ou un sort. Salut! Ha 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 ha